On est au studio de cinéma de l'Atlas. Ici, c'est un truc absolument énorme. Je suis avec Camille, qui bosse avec moi, qui va être dans la plupart de mes stories. Et qui est ravie, d'ailleurs. Et du coup, en fait, ici, il y a eu pas mal de choses qui ont été tournées, notamment Gladiator, Game of Thrones, etc. Tu m'as trop connue. Donc on est arrivé hier en 4x4, je sais pas si vous voyez, il y a le lever du soleil juste derrière. Je suis venue en fait pour une retraite entre entrepreneurs en plein milieu du Sahara. Ça va être un truc absolument incroyable. Ce matin on s'est levé à 5h30 pour aller marcher dans le désert en pleine nuit. On a vu des étoiles filantes, c'était absolument magnifique. Et là on vient de faire une méditation tous ensemble. Du coup on va aller prendre un petit déjeuner, il doit être 7h du matin là. Et ensuite on a pas mal d'ateliers, de conférences aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui c'est avec Alex Dana et Chloé Bloom. On va parler business et bien-être voilà, au quotidien. Donc je suis venue ici en tant qu'élève, pas en tant que speaker pour une fois. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'avoue que j'ai des sensations un peu spéciales depuis ce matin. J'avais pas particulièrement d'attente. En fait, je venais parce que j'apprécie beaucoup la personne qui organise, qui s'appelle Kim Benour, qui organise donc ce Dame Fest. J'avais pas particulièrement d'attente, mais en fait, je crois qu'on va grave kiffer quoi. On va vraiment grave kiffer, donc c'est parti. Hello les amis, bon je vous fais une première vidéo alors que ça fait 3 jours quasiment que je suis là, une vraie vidéo où je vais enfin vous parler un petit peu. Ça a été déjà 3 jours très challengeants pour moi. Là on est en pause, on a une conférence qui recommence et en fait on dort tous dans des petites cabanes comme ça en plein milieu du désert. Il y a pas mal de trucs super super challengeants, il y a plein de trucs hyper intéressants ici. Je dis des trucs parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait. On travaille sur notre business, sur notre mindset, sur notre bien-être, sur notre relation à l'argent. C'est intéressant parce que malgré le fait que j'ai fait des dizaines et je ne sais combien de séminaires, que je me suis fait coacher, etc., que j'ai un business et une vie entre guillemets épanouissante, etc., et bien malgré tout il y a quand même encore des blocages sur des trucs, il y a quand même encore des trucs qui viennent me chercher, qui viennent me challenger et tout ça. Et c'est juste un petit message pour vous dire que quoi que vous fassiez, ce sera jamais parfait, que ce soit dans le développement de votre business, votre développement personnel aussi, dans le développement de vos relations, etc., ce sera jamais parfait, ce sera jamais tout beau, ce sera jamais terminé, et qu'il faut accepter aussi ce côté qui est imparfait, qui est juste en fait la vie, sinon ce sera un peu chier quand même. Donc voilà, on a une dernière conférence aujourd'hui. En fait on a plusieurs conférences par jour, on a des ateliers, on a des moments de pause, on a aussi fait pas mal de méditation, etc., d'exercices avec Aurélien Duarte qui a été 8 fois champion du monde de boxe, enfin voilà, qui nous a appris plein de choses. Vraiment c'était super intéressant. Je vous ai mis vraiment clairement très peu de contenu dans cette vidéo, mais c'est juste pour faire passer ce message. S'il y a un message que vous devez retenir, c'est ça, c'est que quoi que vous fassiez de toute façon, encore une fois, dans votre business, dans vos relations, avec votre corps, au niveau personnel, peu importe, ce sera jamais complètement parfait. Et c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, juste faites de votre mieux. Si vous en avez envie, si vous en avez pas envie, le faites pas, tout simplement, et ce sera déjà magnifique. Bon les amis, on est parti se balader dans le désert, regardez ça, c'est tellement beau. Bon, on fait des petites photos parce que c'est hyper stylé quand même. Dame Fest est terminé, on fait une pause en plein désert. Regardez, on est assez nombreux, on est 80 personnes donc dans ces 4x4 là, on se suit tous à la queue leu-leu. C'était vraiment un moment absolument incroyable. J'ai vraiment vidé mon sac, ça m'a fait tellement du bien, c'était juste trop cool de passer un moment. On est allé marcher dans les dunes, dans le désert, c'était ouf. Là c'est un autre type de désert qui est juste tout plat et juste l'horizon avec rien. Franchement magnifique, et juste 80 personnes, 80 fous, 80 fous entrepreneurs qui sont là pour kiffer, qui sont là pour monter des choses qui impactent le monde, qui changent des vies et qui changent la leur aussi, en passant, pour se déculpabiliser de vouloir gagner de l'argent, se déculpabiliser de vouloir vivre une vie qui est différente, pour faire le bien autour de soi et pour kiffer.